Salut les fines bouches. Aujourd'hui, un plat qui se mange le matin, le midi, le soir, la nuit, tout le temps, et c'est tout le temps avec un grand bonheur qu'on le mange, l'omelette. Aujourd'hui, je vais vous faire une omelette au fromage. De quoi avons-nous besoin pour faire une omelette? Franchement, des œufs. En l'occurrence, 4. 80 g de gruyère, un peu de beurre, sel, poivre. Terminé. Action, action. On allume. On fait chauffer le beurre, noisette de beurre, surtout en faisant attention à ce qu'il ne noircisse pas. Pendant ce temps-là, on casse les œufs dans un bol. On prend sel, poivre et on va, attention, une fourchette, rien d'autre. On va mélanger avec pour seul objectif de casser les jaunes pour qu'ils se répartissent au milieu des blancs. Voyez comment je fais? Faut pas faire plus que ça. Surtout ne pas fouetter et surtout ne pas battre trop fort. Le beurre fond. Dès que c'est à feu moyen, vous prenez les œufs et vous versez dans la poêle. Là, vous accélérez légèrement le feu et vous rabattez les bords vers le centre. Voyez? N'hésitez pas, hein. Quand vous voyez qu'elle commence à être comme ça, vous baissez un petit peu et là vous mettez dessus votre gruyère. Vous voyez encore un petit peu de ce qu'on appelle baveux là. Donc là vous laissez bien le temps aux gruyères de fondre un petit peu. En l'occurrence, c'est de l'emmental, j'ai eu la réflexion. En France, c'est de l'emmental. Le gruyère, c'est à côté. Un petit truc. Vous prenez un petit peu de beurre comme ça et vous faites le tour de la poêle au-dessus. Comme ça, il y a du beurre qui va couler le long. Là, et qui va venir faire une petite dorure. Voilà, on peut laisser cuire une minute ou deux. Là, on fait ça et on la plie. Et voilà, une omelette au fromage, très simple. Un petit lit de salade à côté, même comme ça, à 4h, à 4h du matin quand vous rentrez de boîte, comme vous voulez. Très simple, très rapide. Voilà les amis, une petite omelette, sur le pouce, comme on dit. Ça me fait penser à une anecdote. Est-ce que vous avez déjà mangé une omelette sans œufs? Non? Alors figurez-vous, l'autre jour, on a une réunion avec Gilbert et Sandrine pour la prod. Je me dis, je vais faire une petite omelette. Et puis, ils sont pas venus. Alors j'ai mangé l'omelette sans œufs. Hein, ma poule, on était tous les deux.
Allez, les amis, au plaisir de vous voir. Partagez un œuf ou deux. Partagez un moment. À vos fourchettes, à vos couteaux. Et bon appétit. Hein, ma poule? Ils sont pas venus. Tu viendras dormir avec moi maintenant, hein? Plus ça vient plus, hein? Alors, tout se passe bien?